Mama Schlöpf. Je suis en compagnie, en très bonne compagnie d'ailleurs, je suis en compagnie de chef Slimane Saadoun. Bonjour. Bonjour Slimane. Ça va, Slimane. Ça va et toi? Très bien. Alhamdoulilah. Merci. Alors on vous a promis une fusion entre la gastronomie algérienne et les cuisines du monde. Et aujourd'hui, il va nous faire voyager comme à chaque fois, mais à travers le monde. Ah oui, exactement. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller pour le Mexique. Le Mexique. L'Amérique latine, tu vois. Très beau. Hein. Je te rappelle un peu l'ananas. Ouais. Alors, on va aller pour le poulet mexicain. Poulet mexicain. Là, on va jouer un petit peu sur le pour les enfants pour qu'ils puissent franchement apprécier. Parce que les enfants, aujourd'hui, sont convoités, ils ne croient pas les légumes, tout ça. Et il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, effectivement, oui. Oui, oui. On a du poulet pour la recette. Alors, pour la recette, on aura besoin, chef, de poulet. On peut changer le poulet par la viande. D'accord. Les compositions sont les mêmes. Ce sera viande à la mexicaine. Exactement. Exact. L'oignon. Oignon. Grossièrement. Tu le vois. Le poivron vert. Oui. Grossièrement. Poivron rouge. Le poivron jaune. D'accord. Il y a de la couleur. Courgette. De la courgette. OK. De l'ananas. Sucré salé. Oui, de l'haricot blanc. D'accord. Du piment séché. Ça va apporter du piquant à notre recette. Du maïs. Du maïs. Du sel, bien entendu. Le sirop d'érable. Oui. Le tabasco. Qui va ramener le relevé. D'accord. Et du jus de citron. Pour cela, il nous faudrait de l'huile, deux sortes d'huile. L'huile de table et l'huile d'olive. Sel de l'Himalaya. Et le sel de l'Himalaya pour la fin. Allez chef, oui, on va commencer d'abord. C'est parti. À faire réchauffer notre poêle, en lui rajoutant de l'huile. Huile dans la poêle. Voilà. Les deux huiles. Huile d'olive? Ouais. Faites bien attention parce que là vous allez vous faire plaisir. Celui qui aime le sucré salé, franchement, c'est très très bon. Franchement, ouais. C'est très très bon. Et vous allez savoir, une grosse saveur que nous avons avec ce plat-là. Moi, c'est un plat qui m'est trop demandé, c'est ça de mon établissement. D'accord. Voilà. Ouh, comme attention, tu vois, le chaud du oui, chef. C'est chaud. Waouh, ouh. C'est bon, hein. La cuisine, c'est de l'art. Exactement. C'est le chaud aussi. Ah, hein. Oui. Ici, à ce moment-là, il nous faut franchement sa crème pour rajouter nos légumes. Voilà. En suivant, parce que les légumes, on va ramener un peu croustillants. Croustillants et colorés. Oui. Et donner de la saveur du crémage. C'est-à-dire que ça va se dorer. Regarde, il y a plein de couleurs. C'est vrai. Voilà. Courgette. Parfait, là. Tu vois? Maintenant, à ce moment-là, je rajoute toujours un filet d'huile d'olive. Filet d'huile d'olive. Voilà. Attention, non, faut pas trop s'y approcher. Pas, j'ai mes habitudes. Voilà. Ici, à ce moment-là, oui. Une fois que ça dort, j'ai incorporé le jus de citron. Jus de citron. Voilà. Ah, si ce n'est pas de la saveur, ça. Voilà. Et là, le sirop d'érable. Là, la saveur explose. Elle explose. Ah oui. Regarde. Allez. Regarde les couleurs. Oui, oui. Qui sont ça. C'est très bon. Regarde. Ça sent bon. Le côté piment. Le piment. L'haricot. Oui. Le maïs. Légèrement un peu de sel. D'accord. On n'a pas assaisonné tout à l'heure exprès. Et la touche de sucré. L'ananas. Le tabasco qui fait le relevé. Et maintenant. La dernière fois. Tu es généreuse, hein. Comme quoi je participe, hein. Ah, regarde maintenant dans notre plat, comme tu vois, comme vous le voyez, il y a de la couleur. Oui. Il y a de l'odeur, du parfum qui s'élève. D'accord, tu vois. Ouais, ça sent bon. Ça sent vachement bon. Et on mange d'abord avec les yeux, chef. Les yeux, c'est ce qui attire, c'est les couleurs. Exactement, exactement. Et c'est copieux. C'est très coloré. Enrichissant. Nous avons plein de légumes. C'est vrai. Tu vois. C'est les couleurs du Mexique. Voilà. Allez. Là,
on laisse mijoter un petit peu. À ce moment-là, on va nettoyer notre poste. Oui. Et nous allons, je vais te préparer une petite surprise. D'accord. C'est la maison à la fraise. Ouais. Alors j'ai pensé à vous. Oh, un dessert à la fraise. Une mousse de fraise. Mais quoi? Pas une mousse simple avec de la chantilly. Non, une mousse à base de fromage rigide. Il faut consommer le fromage, le calcium. D'accord. Et c'est très léger dans l'hormone de Ramadan. Super. Okay. Allez. Pour ça. Je m'impatiente, chef. Ah. Allez, allez. On va débarrasser notre plan de travail. Devant. Et chaud devant. On va préparer notre dessert. À tout de suite. Alors, l'hakana le mstaqi. Entre panna cotta et cheesecake à la fraise. Et la mousse. Et la mousse de fraise. En tout cas, ça dépasse tous ces desserts-là, je pense. Oui, exactement. Tu vas là, tu on aura besoin de on quoi aura, dans cette recette, ce qui est essentiel, c'est très 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 allégé. Tu vois, c'est comme le sandalman et tout ça là. Mm-hmm. Et il faut consommer du calcium. On ne peut pas aller vers les fromages, on peut consommer indirectement, tu vois. Alors, fromage régime. Fromage régime. On aura besoin de la crème liquide. Oui. Du fromage de régime. À combien, raison de 38% de matière grasse. Ok, d'accord. Très bien. Le fromage de régime. Combien de... Alors, nous ça sommes dépend du... Non, tout dépend de la quantité. Ici, nous avons 3 pots de 90 grammes, ce qui veut dire de 240 grammes. Très bien. 240 grammes. 270. Ah, pardon. Oui, 270 grammes de fromage régime. Et on a. Alors, on a du sucre. Pourquoi le régime ici, on a utilisé. Ici, il n'y aura pas beaucoup de sucre. Ça va tourner. 40 grammes 30 Non. Ici, nous avons 100 grammes. Quand même, hein. 100 grammes de sucre. Mais vous allez voir. Parce que la fraise actuellement, derrière la terre, elle nous attire l'acidité. Oui. D'accord. Mais après, il y a la fraise sucrée. Parfait. Là, on diminue de 30%. D'accord. Ok. D'accord. Parfait. On a besoin d'une masse gélatineuse, de la gélatine. Gélatine. Oui. C'est une masse que vous voyez là. C'est une masse. Masse. Parfait. Pas la feuille de gélatine. La masse de gélatine. La masse de gélatine. 1,6. Et pour vous, c'est l'équivalent de 3 feuilles. Exactement. Très bien. C'est largement. Et un petit grumble. Un petit grumble de maison. Voilà. Ouais. C'est un temps pour temps. Ouais. D'accord. Là, dans ce grumble, moi, je diminue dans la matière grasse et je rajoute dans la farine. D'accord. Super. Super. Voilà. Quand je dis un temps pour temps, tout dépend de la quantité que vous voulez utiliser. Vous pouvez faire un 100 grammes, 100 grammes. Mais moi, je vous conseille toujours de faire un 100 et 90. On est dit. Parfait. D'accord. Nos fraises que j'ai sur le marché, les voyez, belles fraises. Belles fraises, mais on trouve toujours un peu d'acidité. Oui. Elles sont pas très sucrées, voilà. Oui. En ce moment, elles sont encore un peu acides. 30% de la à faire revenir nos fraises. Oui. D'accord. Un style de compote. D'accord. On va les incorporer pour notre fromage de régime. On commence à préparer notre recette. Parfait. Si tu permets, je passerai de ce côté-là. Vas-y. Je prends ma petite casserole. Ok. Ici. Très bien. Voilà. Ta petite casserole. Voilà. Qu'est-ce que je mets? Je mets d'abord mon sucre. Mes 30%, je les ai. 30. Là. C'est pas un caramel, d'accord? Tu vois? Parfait. Très bien. 30% de sucre. 30% et je prends mes fraises. Fraises. Parfait. Les fraises sont rincées. Oui. D'accord. On va les couper en petites lamelles grossièrement. D'accord. Ça ne fond pas. Ok. D'accord. Donc moi, ce que j'aime bien, ramener un peu le petit croquant et en remuant tout le temps, ça fond. Ça continue à fondre dans l'intérieur. Très bien. Ce dessert est très très apprécié pour les enfants, c'est très bon. C'est la façon aussi de faire consommer aux enfants du fromage de régime, fromage frais, d'accord? N'importe quel fromage, n'importe quelle marque, moi j'aime bien. Je préfère prendre ça que prendre un yaourt. C'est vrai. Voilà. Parce que le yaourt c'est aromatisé, mais là tout est bio, tu vois? Tout est bio, voilà, exactement.
On a le sucre du fruit. La fraise, aussi, voilà. Là, on va utiliser 300 g de fraises pour notre recette. D'accord. D'accord. On va donc couper la fraise. Oui, grossièrement. Oui, grossièrement. C'est 10% de sucre qu'on a utilisé. Oui. Parce qu'on est parti pour 300 g et 30 g. Schématiquement. 300 g de fraises et 30 g de sucre cristallisé. Et quand on arrive en été, pour nos spectateurs et les ménagères, vous savez, les femmes, ils le savent pour leurs enfants, en été, les fraises sont trop sucrées. C'est vrai. Comme on va réduire le sucre. Voilà, comme le piment, en été, il est très piquant. D'accord. Voilà. Là, on Donc on s'adapte, on s'adapte. Donc, allez, nos fraises qu'on coupe en. On les laisse maintenant. En morceaux. Voilà. Sans rajouter ni d'eau ni rien, uniquement le sucre qu'on avait mis. D'accord. Ouais, on va avoir une petite compote. On va avoir une petite compote. Oui, exactement. Donc là. Voilà, on le laisse au petit feu. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, tu vois ce que j'ai préparé, ce sont des verrines. Oui. Et ça, on a un petit plateau d'œufs, toujours on en a ramène par ici, on va expliquer. Donc, nos verrines, on voudrait. Après, on va voir, de toute façon, on voudrait que notre dessert prenne une certaine forme. Une certaine forme, exactement. Donc, on laisse nos verrines, on va les... dans un plateau qui va nous aider. Voilà. Va être notre support. De toute façon, vous allez voir ça en image. Voilà. Hein. Allez, ici, on branche. On passe par là, s'il te plaît. Oui, vas-y. On branche donc. Notre batteur. Nous allons passer, s'il te plaît, maintenant. Oui. La crème liquide qu'on avait, on va faire une crème fouettée. On va fouetter la crème liquide. Voilà, à 50%. D'accord. 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 Parfait. S'il te plaît, alors là, je débranche. Oui. Pour nous mettre plus à l'aise, confortablement. Vas-y. Moi, j'aime travailler et éviter les risques qu'on a. S'il te plaît, ici. Vas-y. Voilà. Très bien. On met la crème liquide. On va la fermenter. Sans sucre. On va la fermenter sans sucre. Hein. Ah, on va fouetter la crème. Si on rajoute du sucre, ça nous fera une chantilly. On monte par une première vitesse. On monte. La compote, là, tu vois. Ouais. Là, c'est bon. On a le sirop, le jus. On sent. Moi, j'aime bien faire ça. Maintenant, la fraise maintenant, elle diminue. Ouais. Ah, c'est bon. Là, on a gélatine. La gélatine diminue un petit peu sur la vitesse. Voilà. Okay. On était pour la première vitesse. Hein. Parfait. Une fois qu'on a incorporé. Ça y est. Voilà. Première des choses à faire, c'est que ici, c'est de prendre nos verres. D'accord. Voilà, on ramorte légèrement. Notre purée, pas purée, oh là là, je veux dire compote de fraises. Voilà. Allez. Et voilà, ça sert à ça, le plateau. Donc, oui. De toute façon, évidemment, un support qui va nous aider à fermentage. Exactement, notre support. Voilà. Ici, à ce moment-là, c'est refroidi. À un moment donné, j'incorporerai le fromage de régime avec une crème fouettée. On va pas fouetter ? Non. On va juste mélanger ? Mélanger, parce que c'est déjà monté. D'accord. T'as pas besoin de fouet ? Non. Non, tu vas juste mélanger avec à la cuillère. La cuillère, une marise. Une marise, oui. D'accord. Ou une cuillère. Donc on a quelque chose comme ça, un peu épais. Chose d'épais. On mettra sur le montage les petites brins de grumble qu'on a à la maison. On vient même un petit biscuit. D'accord. D'accord. Tu vois. Il faut être généreux. Oui. Ce qui ramènera le craquant et tout ça. Exactement. Cela. D'accord. Et on laisse ça refroidir à un moment donné. Ça gélifie. Une compote. Voilà. Touche de croquant à notre recette. Et Voilà. De ce côté-là, on repenche parfaitement. Fais bien attention à ça. Regarde. Là-bas, parce que le biscuit, il s'échappe. Voilà, parfait. Voilà. Voilà, on arrange bien. Là, on prendra notre verrine. Voilà, super. Notre petit fromage frais, on va l'incorporer à l'intérieur. Tu vois.
c'est pour amener de la couleur. Super. Voilà. Très bien. Ici, on ramènera nos fraises. À l'intérieur? Oui. Ça apportera du goût et de la couleur. De la couleur. Voilà. Très bien. On ne va pas mixer? Non, il ne faut pas mixer. Mmh. Et moi, ce que nous avons besoin dans cette recette, c'est le petit croquant de la fraise. D'accord. Parce que si on mixe, là, on n'aura pas quelque chose de croustillant. D'accord. Il faut faire très attentif à ça. Mmh. Parce que ça va se gélifier au frigo, ça va laisser se reposer. Et après, si c'est trop mousseux, c'est pas bon pour le palais. Parce que ça devait être pâteux. D'accord. Ici, non. On aura quelque chose de croustillant. Mmh. Surtout ouais. Avec donc, le biscuit ou la crumble. Donc on aura ce côté croquant assuré. Voilà. Parce que quand c'est trop mousseux, ça peut être trop, comme on dirait, une mousse. Mais entre la recette, quand on les revue, c'est ramener un cheesecake, côté croustillant, tout cela, le fondant, le fromage. Oui. Un panna cotta aux fraises, tu vois, c'est le mousseux. Mais se ramener ce décalage, c'est de faire une petite compote de fraises et la laisser comme elle est. Même la cerise, c'est parfait. D'accord, super. Voilà. Donc on va mettre ça au frais. Au frais pendant 2 heures au minimum, tu vois. Oui. Ça va se gélifier. Et on va terminer après notre verrier. Donc là, un autre poulet mexicain. Ouais. On va ajouter du sel d'Himalaya, mesdames et messieurs. C'est ce qui va revenir vers la sauce allemande. D'accord. Et ça ramène un petit peps de saveur, exact. Une fleur de sel, tout cela. Alors, chef. Alors, ce qui poulet me mexicain. C'est bon. C'est bon. Notre dessert, il partira au frais. Voilà. D'accord, pendant une période minimum de 2 heures. 2 heures. Moi, ce que je conseille à nos spectateurs, c'est de le faire la veille. D'accord. D'accord, le lendemain, c'est bien frais, tout ça. Exactement. Tu sais, on est fatigué, tout cela, les journées sont. Ouais, voilà. C'est vrai. Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à préparer? Le fameux cefa. Cefa. C'est voilà. Du chef. Allez, on va débarrasser ça, on va porter ça au frigo. Et parfait. Et donc, on revient tout de suite après. À tout de suite. Chef, oui. On a fini. Oui, on a fini. Oui. Aujourd'hui, oui. Tu vois, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va préparer la table. On va dresser notre table. Voilà. La table du chef. Voilà. Allez. Le poulet mexicain et tout cela. Oui. Et à table, tu auras une surprise qui t'attend. D'accord. C'est pas fini. Voilà. Je suis pas au bout de mes surprises. Allez, on se retrouve tout de suite donc pour la table du stol. Touche à sa fin. Nous avons pu voyager aujourd'hui à travers les cuisines du monde. On a fait d'ailleurs une fusion entre la gastronomie algérienne et les cuisines du monde. Et puis voilà, nos préparations culinaires sont là. Et Slimane, voilà. Merci. Je t'en prie, ça fait grand plaisir. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Oui. Ouais, c'est très bien. Et j'espère qu'on nous a fait voyager un petit peu vers le Mexique, tout cela. Comme la surprise que je vous ai dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était la cefa. Allez, on va enlever ça. Oui, on va leur montrer la cefa. La cefa, elle est là. Très connue et dans notre région, voilà, pour le sol et tout ça, c'est très léger. Mm-hmm. La petite chose qui est la différence, que les gens, les femmes le font avec de l'eau, la semoule, mais là, on la fait avec du lait. Avec du lait, d'accord. Voilà. Des fruits secs, tu vois, ça a été broyé, tout cela. Alors, pour absorber la semoule, je l'ai absorbé avec du lait. Et ça devient plus léger. Tu as mis du miel? Oui, bien entendu, le miel, c'est l'essentiel, c'est quand même le côté sucré, un peu de fleur d'oranger. Aussi, d'accord. Ouais. Et les fruits secs, voilà. Alors, je l'ai fait vaporiser 3 fois, à 3 reprises. Franchement, ça doit être léger, tu vois, ça devient léger. Moi, j'aime bien prendre ce plat avec un verre de petit lait, tu vois, ça c'est parfait. Et pour Sol, c'est vraiment ce qu'il faut. En tout cas, merci à vous, chers amis téléspectateurs.
de nous avoir prêté attention. Merci à l'équipe technique. Je cite donc Oussama Amiour à l'image, Nadir Mahdid au son. Une équipe qui a travaillé dur pour la réalisation à mes côtés de cette émission. Merci beaucoup. Et quant à moi, voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro Talk du Chef. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et ça, Salam. Voilà.